Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tata Po aka Tata Po sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Ok, Paula's hair closet pour mes cheveux parce que j'ai cette Tata Po tes cheveux, oui, mes cheveux, c'est sur Paula's hair closet.com. Ok, alors aujourd'hui on va parler. La Aurine, la béninoise, aka Nana Wax. Si tu es sur Snapchat, tu vas écouter tout le temps le nom de Nana Wax. Alors, il y a aussi Emmanuel Keita, ok? Les deux sont des influenceuses, je peux dire. Il y a Maureen qui a un business, elle coud les habits vraiment top, top. Et il y a Emmanuel Keita qui vend l'été pour... Si tu as gros ventre là, comme ta peau, si tu bois son thé là, ça va finir. Ok? Emmanuel, pardon, je vais tester ton thé. Il faut envoyer ça à ta peau. Je vais perdre mon ventre. Parce que si moi je perds mon ventre là, les gens, si même quelqu'un t'attaque, ouais, tes produits ne marchent pas. Moi-même, je vais témoigner. Donc, les Ivoiriens, il faut partir dire à Emmanuel hein, que ta peau veut les deux. Parce que façon que Maureen a lavé. A lavé ça. Alors, j'ai déjà fait la présentation, non? Toutes les deux ont de business. Et alors, ma batterie était finie. J'ai oublié de charger l'autre. Donc, c'est pour cela que vous allez voir. Le style a un peu changé. Parce que je devais attendre que les batteries chargent. Ok? Alors, on continue avec la vidéo. Je vous ai déjà présenté les deux femmes. Donc, tout commence lorsque Maureen va écrire sur sa page Instagram. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Instagram. Ce n'est pas un thé qui rendra votre ventre plat. Ce n'est pas une gélule qui vous fera pousser les cheveux. Ok. Je suis en train de détruire le business des gens, oh, Maureen. Certaines personnes sont disposées génétiquement à avoir de beaux cheveux, un joli teint ou un ventre plat sans faire aucun effort ni soin. J'ai toujours refusé de faire la promotion des compagnies qui vendent ce genre de produits. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour vendre du rêve, mais montrez plutôt votre réalité car vous n'êtes pas né pour faire jeter de l'argent par la fenêtre à votre prochain. Et que si demain on apprend que les gélules sont cancérigènes ou les têtus, les gens vous serez des meurtriers cadeaux. Parlez des sujets que vous maîtrisez. Hashtag Haïté Maureen. Ce n'est pas Tata Po. Parce que si j'ai dit, les gens vont dire, Tata Po, tu cherches des dramas. C'est Maureen. C'est pas fini. Alors, Emmanuel Kate, elle, Maureen a écrit Psaume 123. Psaume 123. Emmanuel va écrire les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais je vais juste essayer de lire juste Genèse parce que c'est beaucoup. Je vais laisser sur l'écran là, vous allez finir pour moi, ok? Je viens de recevoir ces messages de cette jeune dame dans mon inbox par plusieurs de mes abonnés. Ce sont toujours les abonnés. Les abonnés. Vous cherchez quoi? Rapportez ici. Je peux être en train de dormir, hein? Les abonnés vont dire, Tata Po, tu n'as pas vu que quelqu'un a fait comme une... T'as jeté une pique, il y a quoi? Ça vous fait quoi? Laissez-les piquer-moi. Alors, on continue. Et tous sont unanimes qu'elle parle clairement de moi. Tous les abonnés sont unanimes. Je ne suis pas de nature superstitieuse à suivre la masse, hein? Mais après ma propre analyse, je me rends compte que même si elle ne parle pas de moi, elle s'attaque clairement à mon secteur d'activité.
à mon secteur d'activité. À mon secteur d'activité. Ok, on s'est arrêté là, activité. C'est sans doute une vérité immuable pour elle qu'elle décrit. Mais en tant que personnage public et femme d'affaires, vous ne pouvez-vous permettre de jeter les discrédits sur des personnes qui essaient de s'en sortir? Tu essaies de t'en sortir ou tu es en train d'aider les gens? Pas t'en sortir. Tu essaies d'aider les gens à perdre le ventre, Emmanuel. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Pas s'en sortir. C'est pas à cause de l'argent. Premièrement, tu veux aider nous les grosses. Nous les dodis. Nous les bébés dodis. Bebeux, bebeux. Ok? À maigrir. Moi vous dire, ma bonne dame, vous non plus, vous n'avez pas créé l'eau chaude. Vos modèles sont des pâles copies que n'importe quel couturier bon marché les ferait à un prix plus abordable. Et les Ivoiriens la bouche. Mais que vous vendez à des prix exorbitants, frisant même les ridicules. Vous êtes clairement né pour faire jeter de l'argent par la fenêtre à votre prochain, vous aussi. Mais je ne me permettrai jamais de rabaisser votre secteur d'activité, car c'est votre gagne-pain. Et je suis fier de cette business. Woman au pair que vous êtes, car je suis heureuse de voir des femmes africaines entreprendre. Donc vous avez écouté, non? Il y a l'autre qui dit que non, faut faire attention aux choses que vous êtes en train de lancer sur Internet parce qu'il peut y avoir des produits chimiques qu'on ne sait pas. Parce que ici en Amérique, là, on te donne on voit tout le temps à la télé. Si tu habilles ça, il faut venir porter plainte et tout. Elle a aussi raison. Et quelque part aussi, Emmanuel a raison parce que elle est en train de discréditer tout le monde qui est dans ce secteur. Et aussi, Emmanuel a aussi des points valides que je peux dire. Par exemple, pour les cheveux, ok? Il y a par exemple Mimi Belle qui a des longs cheveux. Moi-même, je vais savoir qu'est-ce qu'elle met sur ses cheveux. Mais moi, Pauline, naturellement, et c'est là où je vais aussi appuyer l'idée de Maureen. Moi, Pauline, naturellement, j'ai des longs cheveux. Je ne m'occupe pas bien de mes cheveux. Vous me voyez, j'aime les perruques, ok? J'aime les perruques. Mais si vous voyez mes cheveux naturels, j'ai coupé ça ici sur YouTube. Vous avez vu la vidéo. Si je vous montre mes cheveux, je vais faire ça. Mes cheveux sont longs déjà comme ça. Mais il y a ma maman, si elle coupe un peu, ça peut faire même 20 ans. Ça va pas arriver ici. Donc il y a des gens, nous sommes nés comme ça. Par exemple, moi, si j'applique les produits de Mimi, ça va encore pousser mes cheveux. Et il y a d'autres. Même si ça va pas pousser tes cheveux, mais ça peut t'aider à maintenir des cheveux en bonne santé. Moi, je dis que non, il y a les trucs, par exemple, de cheveux. L'été, par exemple, l'été, si c'est l'été seulement, l'été qu'elle fabrique, je peux boire, ok? Mais il y a certaines, par exemple, d'autres comprimés, par exemple, de perte de poids, que moi, j'ai pu boire. I mean, c'est un peu dangereux. You don't know. Ok? Il y a d'autres, peut-être, les gens. Il y a ceux qui font du fake et ceux qui font des vrais aussi. Mais c'est ceux qui aussi. Ceux qui donnent un peu, quoi. Les gens de regarder du genre. Es-tu sûr de ce que tu fais? Tu connais, par exemple, les ingrédients chimiques. Moi, je vais juste suggérer que non, si tu veux te lancer dans des trucs, par exemple, de gélules là, les trucs à boire et tout, tu dois faire attention. Ça doit être vraiment des choses qui ne peuvent pas nuire à la santé des gens. Ok, il faut pas dire que juste que non, tu veux t'en sortir, les mots qu'Emmanuel a utilisés, parce que s'en sortir là, ce n'est pas. Tu peux t'en sortir, mais il faut aussi sauvegarder la vie des gens, ok? C'est ça qui est très important. T'en sortir viendra, comme elle a dit, les clients reviennent et j'espère que non, ça n'a pas de conséquences et j'espère qu'elle a des bons produits. Donc, c'est pour cela. Mais aussi pour Maureen, je comprends ses inquiétudes, mais je suis, en tant que businesswoman, c'est comme si elle est aussi en train de quoi? De marcher sur les territoires d'autrui, ok? C'est juste que non, que tu ne supportes pas. Allons, ça pote. Si tu vends des produits que moi je trouve que non, c'est dangereux à la santé des êtres humains, personnellement,
Je ne vais pas venir faire des vidéos que ouais, il faut pas acheter, elle vend des produits. Non, mais je ne veux pas du tout supporter ça sur ma chaîne et je suis libre. Ça, c'est mon opinion, ok? D'autres personnes peuvent congratulate you, that's fine. D'autres personnes peuvent te dire qu'ils ont un bon boulot, that's fine. Mais moi, je ne peux pas te congratulate, je ne peux pas faire la promotion à sachant que non, j'ai des doutes parce que, I don't know, ce sont des choses. Ça, c'est pas même parce que c'est une noire, ok? Même pour les blancs, je ne bois pas des trucs bizarrement, ok? À l'hôpital même, je demande beaucoup de questions. Ça là, c'est quoi? Side effect, c'est quoi? J'ai toujours cette intention de demander parce que les docteurs aussi font des erreurs sur les corps des êtres humains, ok? Et moi, je trouve que juste que non, what did I want to say again? Je trouve que non, ce sont juste des Afriques. Et une autre chose, les abonnés. Hein? Est-ce que vous savez peut-être que Maureen parlait peut-être à une béninoise, mais vous avez laissé Bénin jusqu'à amener ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que Nana Wax peut-être parlait d'une autre personne? Vous avez amené ça à Emmanuel, les abonnés. Et elle dit bien, vous étiez à l'unanimité. Vous avez dit que c'est elle. Elle n'a pas cité les noms. Comment est-ce que vous savez que c'est elle? Ok? Donc, moi là, je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'elles peuvent, you know, avoir common ground? Dites-moi en bas, n'hésitez pas à vous inscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo de Diva. Ciao, ciao!